Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et il y a plus petit peu de savoir que nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concept. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner et à lâcher le pouce bleu car beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous et merci à tous ceux qui le feront. Alors les gars, aujourd'hui c'est un peu spécial puisque là vous voyez en soi tout est normal. Mais vous savez que moi je suis sur mon téléphone, donc moi je suis sur mon téléphone ici. Et là aujourd'hui je vais essayer de jouer PC, donc j'ai jamais joué PC, enfin peut-être 2-3 fois mais bon ça va pas plus marquer que ça. On va jouer ce petit deck, on va aller en défi classique, je vais vous faire 3 épisodes et dites-moi si vous voulez que j'en fasse un concept où je crée un nouveau compte et j'essaye de m'améliorer PC, dites-moi si ça vous plairait de faire ça. Et puis voilà c'est parti, donc alors forcément j'ai les connaissances du jeu, mais les placements les gars contre des games compliqués, merde. Je m'en souviens que quand j'avais déjà testé à l'époque, c'était compliqué. Hein. Si les mecs jouaient bien, c'était chaud. Les placements, parce qu'en fait, les placements, c'est faut être rapide et précis. Et là, c'est pas forcément facile. Ok, bon, ils sont bas les reins. Ok, le pêcheur. Ok. Alors. Je me suis attribué des touches, je crois. Faut juste que je les apprenne et c'est ok. Ah merde. Mettre un petit esprit là. Attends, il a Zapis plus électro-sensé. Ok, bon, je pense qu'on va aller prendre la tour là. Et c'est une Tesla ? Ouais. Je me sens tellement pas à l'aise. Ok, on va prendre la tour, ça c'est stylé. On va presque prendre la tour. Décidément, je veux pas tomber cette tour. Okay. Je pense qu'on va s'installer avec des apis. Ok. Ok, mettre un petit pêcheur ici. Je vais laisser un truc. Ok. Ah! Je panique. Eh, je vous jure, ça paraît simple, mais c'est super dur. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé le jeu PC, si vous êtes joueur PC d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ouais, moi je galère. Hein. En vrai. Ok. On a le séisme qui a aimé cette Tesla. Ok, je vais la mettre ici le séisme, je pense, au cas où. Ok. Laisse gratter, parfait. J'ai mis un squelette géant ici. Ok, je pense qu'il a un rage kit. Bon, du coup, on va se faire 4 games. Pas plus. Enfin, on va essayer d'arriver à 4 victoires. Bon, normalement, les 4 premières victoires devraient être assez simples. C'est juste pour l'introduction, plutôt. À la série. Et, enfin, à la série. Pour l'instant, au concept. Elle essaye de. Bon, j'essaye quoi. Puis voilà. Donc, mon premier win. Et puis let's go. Ok, s'il est. Ok, on prend le petit pass ici, c'est un plaisir. Ok. Allez, c'est parti, deuxième game. Ok, on se trouve très vite sur un défi classique. Hein. Allez, c'est passé contre Bulibu, le Panacer. Ok, on va commencer par un petit esprit fond de map, tranquillement. On va mettre le chasseur. Ok, pour l'instant. Ok, bon. Lui il s'est joué déjà. Non, je vais me calmer. Oh, oui, vas-y, nique sa mère. Je suis prêt, KO. Ok. Merde, alors voilà. Typiquement ce genre de truc. Bon, c'est vrai qu'il a raté cette Tesla, mais. Voilà, c'est ce genre de truc, vous voyez, sur des games assez importantes, assez compliquées, ça risque d'être compliqué. Si je rate des placements comme ça, imaginez un cimetière les off. Cimetière ça peut être complexe. Hein. Ok, pour l'instant on sig tranquillement. Ok, air kick, ça met un squat géant. Ok. Est-ce que vous pensez que gère ici, tape ou pas? En vrai, j'ai besoin de défendre plus que ça. Waouh, il casse les couilles. Je vais essayer de voir si ça tape. Ok, nickel. Ça ici, je peux essayer. Je peux mettre cette Tesla.
Je vais mettre la bûche. Je sais pas si c'est forcément super utile. Non, c'était pas utile du tout, mais c'est pas grave. Bon, normalement, Arkix, on a un bon match-up. What? Ouais. Ok. Ça limite, si un jour, peut-être, je deviens fort, on pourrait essayer, limite, de faire une vidéo où j'essaie de jouer sans les touches. Merde, j'ai mis ce que je peux mettre ça, je mets le pêcheur. Oula. Voilà. Typiquement, ce genre de truc. C'est là pour l'instant, je suis pas habitué, mais dès que j'habitue, normalement, ça va aller. Enfin, j'espère. Et je pense qu'on pourrait essayer limite de jouer sans les touches, parce que ça m'a l'air. Tiens, à chaque fois, faire le mouvement et tout, c'est relou. Ok, mais est-ce que dans le vent. Jamais le squelette géant. Attends. Ah non, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais mettre le pêcheur. Ouah, c'est chaud en vrai. J'ai un séisme. Attends. A chaque fois, je suis obligé de regarder. Je sais pas si vous regardez. À chaque fois, je suis obligé de regarder mes touches. Parce que je suis pas sûr. Ok, jamais dans le Arkix. Merde, j'ai raté. Bon, heureusement que j'avais un bon match-up, parce que là, imaginez un petit contexte où genre je me tape un, je sais pas, je joue cimetière, je me tape un gros géant royal mamie là. Ça, quel plaisir. Hein. Ok. Let's go, ça fait plaisir. Alors, ok, je vais mettre. Hop. Je vais gérer au point en vrai. Donc ce deck, je l'ai jamais joué. Ouais, j'ai parti peut-être ce que j'ai en fond de map. Peut-être que je fasse une touche pour débat, enfin pour enlever, genre par exemple, jamais ici, tu vois, seulement j'appuie dessus, ça m'enlève direct. Bon, bref. Je tente un truc. Hop. Allez vite, tap. Ok, normalement ça va strike. Ok, parfait. Bon, on a bien gratté, c'est pas trop mal. J'ai pas forcément envie de bûche, j'ai qu'à mettre le pêcheur ici. En vrai, il a pas beaucoup d'élixir. Hein. Je me tâte à pêcher. En vrai, je pense que c'est relou pour lui si je fais ça. Là, j'ai une petite bûche au cas où. Ok. Genre des archers. Ah ouais. Ouais, dommage que je sois trop lent parce que là, sur tel j'aurais déjà mis mes bûches depuis longtemps. Ok, bon. Ok, ici, je vais mettre les appease. Ouais, je vous avoue que je me perds un peu dans mes touches là, mais c'est pas grave, ça doit bien se passer normalement. J'ai pas 6, je vais garder mon 6. Ok, c'est pas trop mal. Ok, les archers qui sont mis un peu haut. J'ai juste bûche plus pour clé qu'autre chose, je pense. Ok. Je vais jamais être le géant squelette fond de map. Hop, on va essayer de s'installer, faire un gros push. Je vais mettre le GR ici. Ok, je vais mettre le séisme. Je vais attendre un petit peu, je pense. Enfin, peut-être pour ralentir la maître minière, ça peut être pas mal. J'essaie de ramener le maître Mimi ici. Et de mettre. On fait ça. Ok. On va mettre là une petite chebuche. Ah, là, c'est la bûche en tout cas. Bon, bah, Stonks, c'est la bûche que je viens de mettre là. Ok, parfait. Là, on va pouvoir repartir normalement. Attends. Hop. Merde, je peux mettre là. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. On va pouvoir partir. Normalement, si je mets un bon pêcheur ici, il y a moyen de grab. Merde, ils misclick, putain le con. Oh, quelle catastrophe. Ok, c'est pas trop mal. On a un coup de GR, c'est pas mal. C'est la fin qui meurt, sinon il meurt pas, c'est pas grave. Ok, on va partir en sketch en fin de map. Ouais. Un peu paniqué, je vais pas vous mytho les refs, j'ai un peu paniqué, mais c'est pas grave. Bon, ok.
On va partir GR. Ok, là on a, on a un bon 6 normalement avec une bonne bûche. Ok, le GR qui va les prendre la tour. Parfait. Ok, bon, c'était. En vrai, ça va, mais je galère, je vous avoue, je galère. En vrai, ouais, il était pas fort, mais. J'ai absolument pas le niveau. Ouais, peut-être pour les faire des classiques, peut-être que oui, mais. Pas facile. Allez, on parle dans cette dernière game contre Glenem. Allez, let's go. On va partir à l'esprit fond de map. Évidemment, sur les 3 épisodes, vous allez voir, pour pas que ce soit tout le temps la même chose, je vais changer de deck, hein, évidemment. Je garderai le cimetière peut-être pour la fin, pour rigoler, ou je sais pas, peut-être le prendre maintenant, je sais pas. Ok, petit chasseur. Okay. Ouais, j'ai besoin de défendre aussi. Ah, je pense pas que j'ai besoin de défendre rien. Ouais, si, j'aurais dû mettre une bûche, je pense pas. Ouais, je vais gérer ici. Ah, nice, le GR en tout cas. Lourd, 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 le GR. Ok, peut-être le chasseur, s'il peut mettre juste un petit coup, ce serait cool. Ok, j'ai peut-être pré-shot quelque chose avec un peu de chance. Ok, les recrues. Attendez. En vrai, j'ai juste mettre le squelette géant, je pense. Hein. Pas emmerder. Hein. Ah, lourd. Lourd, 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 de ouf là. Bon, ça va, j'apprends quelques dommages. En vrai, je vais peut-être gérer. Hein. Parce que le squelette géant, il soulève les. Ouais, il fait les recrues. Avec un peu de chance. Jamais j'aurais dû faire ça, jamais de ma vie. Bah ce qu'il y a, c'est que là, il y a encore un maître mineur, ça c'est relou. Ok, ça tue, c'est pas mal. Je vais mettre des petits appuis ici, tranquillement. Ok, petite bûche ici. Pour aller tuer le gobelin sur Bacan. Et je pense qu'on est pas trop mal. Je l'ai mis giga loin l'esprit là, non? Je me rends pas compte. Ok, l'esprit était useless, mais vas-y, Joseph. Bon, je sais pas c'est quoi comme deck, mais bon. Alors, pas ce que j'ai en fond de map, je pense, c'est des recrues, c'est un recrue bizarre un peu. Ok. Moi, je vais mettre un gros pêcheur middle là, je pense, un bon pêcheur middle. J'avoue que ça m'arrangerait qu'ils prennent là, à gauche, enfin ici là. Ok, parfait. Ouais. Ok, là, c'est la couche poussière les refs. C'est maintenant. Ça c'est un peu relou, j'avoue, le gang est un peu chiant. Ok, le chasseur qui fait vraiment le taf hein, par contre. Ok, là en vrai, là il y a un monde où je peux passer. Hein. Je vous annonce les gars, là il y a un monde où je peux vraiment passer. Hein. Ok, parfait. Bon, en vrai... Ouais, je galère, en fait, ça se voit, je pense que vous allez voir que je galère en vrai. Bon, en tout cas, les gars, c'est de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'était Vaku. Ciao, ciao.